Bonjour tout le monde et bienvenue avec Balrog le plongeur. Balrog qui se retrouve au fond de l'océan Pacifique dans Narcosia. Narcosia qui est sorti tout récemment sur Steam, qui coûte 20€. Et on va essayer de faire quelque chose. Balrog le plongeur va essayer de survivre, va essayer de pas mouiller sa couche dans ce jeu qui va faire peur aux plus fragiles d'entre vous. Donc munissez-vous de votre doudou, mettez votre maillot de bain. N'oubliez pas de mettre votre bonnet comme quand vous allez à la piscine, et on va pouvoir... Oh, une étoile de mer. Salut l'étoile de mer. Toi, t'es gentil, au moins, tu vas pas me faire mal. T'es gentil. Pousse-toi le caillou. Non, 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 non. Ah, ça a l'air compliqué de se... Comment ça, 50% d'oxygène restant? Mais je viens d'arriver. Non, ça va pas le faire, quand même. What? Quoi? Ah. J'ai juste un couteau pour me défendre. C'est pas gagné. c'était quoi ce bruit? Non, personne qui me suit. C'est stressant parce que on n'est pas... On est dans une grosse combinaison de plongée et on peut pas forcément se tourner rapidement. Donc quand il y a du bruit derrière, et ça peut faire peur. Et ça fait peur en fait. C'est pas que ça peut, c'est que ça fait peur en fait. Ah mais en fait, d'accord, le tunnel s'est écroulé derrière nous. Ok d'accord, pas de problème. Poisson, gentil poisson. Ça, c'est des petits poissons. Les petits poissons sont gentils. Les gros poissons sont... Enfin, peut-être pas, parce que s'il y en a plein des petits poissons, peut-être qu'ils sont méchants. On sait pas. Pousse-toi, toi. Poisson, gentil, poisson... Arrêtez de bouger comme ça dans tous les sens. C'est pas une belle tronche, toi, quand même. Hein. On va se méfier, parce que s'ils sont beaucoup, peut-être que, même s'ils sont petits, s'ils sont beaucoup, ils peuvent nous faire mal. Oui, un copain. Ah, ça va, sauf qu'il reste que 25% d'oxygène, donc forcément c'est un peu compliqué, mais à part ça, tout va bien. We were 50 miles from the epicenter. But an 8 on the Richter scale makes that kind of distance irrelevant. Comment ça, on est à 8 miles de l'épicentre? Il va y avoir un tremblement de terre? Enfin, oui, il y en a eu un? Quoi, comme ça? What? Space. Oh! The shockwaves hit 6 minutes later, striking the south face of the HAB first and hardest. 27 minutes in, with that kind of concussive force, even the sealed modules were compromised. After that came the ocean. Oh, merde! By 10:33, only safe havens in a sub, or one of the suits. Non mais on n'a pas beaucoup d'oxygène, c'est ça le problème. Et le dernier refuge. Donc pour ceux qui n'auraient pas compris, il y a eu un tremblement de terre sous-marin. Du coup, il y a eu un effondrement de falaise. Il y a eu la création d'une lame de fond. Donc une lame de fond, c'est une grosse vague. En fait, c'est pas une vague, c'est comment expliquer quand c'est un mouvement, un déplacement d'eau en fait, qui se produit comme une vague sous-marine qui détruit tout sous son passage, sur son passage plutôt. Alors là, je suis où? What?
Ok. Pas paniquer. Pas paniquer. Oui. Non, mais what? Ok. Bonjour. Bonjour. Pourquoi j'ai plus que 20... Je peux pas faire plein de mes trucs là. Par là par exemple. Non? Bon, ok. Donc j'ai pas beaucoup d'oxygène. Il faut que je rejoigne là-bas, parce que je trouve que... Surtout que je trouve de l'oxygène quoi. Ouais, là-bas peut-être. What? C'est pas de l'oxygène ça? Une bouteille de gaz là? Non, apparemment on peut pas le faire le plein ça. Dommage, il y en avait plein. là, le truc là. Yes! Recharger. Yes! Je suis au max, nickel. Et là, ça doit être les flares, non? Ah! Maximum de fusée atteinte. Ok, donc j'ai déjà le maximum de flares. Ok, donc ça c'est pour recharger l'oxygène. Et les petites boîtes jaunes, c'est pour les flares. Ok, pigé. Plus de panique maintenant. On gère, on gère. Oh, une petite pieuvre. On gère, tout va bien. C'est par où? Non, là ça a l'air sombre. On va aller par là, ça a l'air mieux. Pourquoi il y a... Pourquoi il y a un bruit d'araignée dans mon scaphandre? C'est quoi ce bruit là? Oh! Ah d'accord! Oh putain, je t'avais pas vu toi! Ok, crabe, géant, ok d'accord. Nickel. J'étais en train de regarder mon oxygène, comment elle file vite? 90, 80. Wouah! Ah, va falloir traîner! What? On était à 100% il y a 5 minutes, hein. Même pas. Il y a 2 minutes, 30 secondes. Consommation d'oxygène élevée, pourquoi? Ah, parce que j'étais en train de marcher trop vite, sans doute, non? Check your gear, trust your training. One of the first things you learn. But the second they fail, you fall back on what you know best. For me, it's the list. This the list. It wrote itself. Keep breathing, find others, and get the hell out. Ouais, enfin, c'est pas vraiment une liste, hein, c'est le truc habituel. Salut Cora! C'est une méthode qu'elle a endommagée. Sous-marin en préparation, j'attends. Ok, bah attends, on arrive. On tourne à Compass One. Ok, donc je sais pas où c'est. Faut y aller. Salut le crabe! Ouais, c'est pas méchant ça, c'est gentil. Comment elle part vite là? Non, vous êtes gentil, j'ai dit. Vous êtes gentil, j'ai dit. Ah, je crois que j'ai marché sur un crabe. on est où là? What? Les petits sont gentils, mais celui-là, est-ce qu'il est gentil? Ah! Ah! Il était pas gentil! Ok! Donc le gros, il est pas gentil! Ok, d'accord, pige! Les petits sont gentils, le gros n'est pas gentil! Mais comment je fais pour passer le gros? Comment je fais pour le tuer le bestiau? On peut pas sauter? Non, on peut pas. Par où c'est? Ça y est, je me suis perdu. C'était vers là. Ah bah c'est bon, je suis sorti.
Ah mais merde! C'est pour ça en fait que le crabe, la troisième fois, on l'a pas vu. Je suis revenu au point de départ. Excellent. Je suis revenu à mon point de départ. Bon. On est reparti. Attends. What? C'était pas par là. Si je me mets dans le coin comme ça et que je le laisse passer, est-ce que ça marche? Vas-y, passe. Fais comme si j'étais pas là. Et c'est ça qu'il faut faire en plus. Les crabes sont vos amis, surtout avec de la mayo. C'est bon le crabe avec de la mayo. C'était juste ça qu'il fallait faire. Bon. En fait, on peut pas les affronter, les gros crabes géants manis extraordinaires et super gros. Il faut juste les contourner, ok. Bon à savoir, les crabes, faut les contourner. Ou les manger avec de la mayo. Mais on peut pas faire les deux. What? Attends. Calme. On sait pas où on va, là. Non. Calme. Aïe. C'était pentu, on va dire. Et du coup, j'ai glissé vers le bas. Combien? 43% d'oxygène. Ça va. Je gère. What? Tu m'as fait peur, le point de sauvegarde. Pas à pas, il avançait dans l'ombre de l'océan. Pour l'instant, ça va, ça fait pas peur. Pour l'instant, j'ai pas mouillé la couche. Tout va bien. Tout va pour le mieux. Ouh, un conteneur. Ouh, un autre conteneur avec de l'oxygène dedans. Ouh, une chaise. Ah, je suis tombé. Donc là, ça doit être des flares. Yes. Et maximum de fusillettes. Et là, on a l'oxygène. Nickel, on va pouvoir faire plein d'oxygène et continuer notre balade au fond de l'océan Pacifique. Hop. Hop. Ah. Il s'est remonté à 100%. Voilà. Par contre, ça dure pas très longtemps les réserves d'oxygène. Faudrait qu'ils revoient leur système parce que. Et par contre, le propulseur en fait. Ça utilise rien. Ok. Par où qu'on doit aller là? Petite pieuvre mignonne, ok. Est-ce qu'il y aura la pieuvre... La pieuvre mauve. Gloire à la pieuvre mauve. Ceux qui sont sur Twitch, ceux qui passent sur Twitch, savent de quoi je parle, les habitués. Youhou! Il y avait un trou? Il y avait un big trou, yes. Alors là, le côté droit a l'air plus accueillant que le côté gauche, donc on va aller vers le côté droit. Et en fait, ça a amené au même endroit. J'ai mal. Ah bah ouais, mais on fait ce qu'on peut. Hein. Ah, je vais avoir besoin du propulseur, je crois. Ce qui est super chiant, en fait, c'est qu'on peut pas se baisser. Wow, j'ai failli tomber, en fait. Wow, qu'est-ce qui se passe? Non! Ma plateforme de souris est tombée. C'est bon, ça passe. Nickel, voilà, tranquille. Hop, un petit coup là, pour faire le dernier saut. Nickel. Bah, je gère pour l'instant. Pas peur ni rien, tranquille. On avance paisiblement sur le fond de l'océan. Pas tomber du tuyau. Je devrais le faire. Ou pas! C'est un boîtier qui coupe le tuyau quand il faut pas. Je te jure.
Ouh, c'est chaud là, c'est chaud. Par contre, je suis en dessous, faut pas que je sois en dessous, faut que je sois dessus normalement, non? On va se mettre là. Hop, on va essayer de remonter, non? Non, on peut pas? Attends. Non, on peut pas. Non, on peut pas. Du coup, on va passer par le côté. Ok, non, il veut pas non plus. Si. Je gère. C'est pas cool de péter les tuyaux comme ça. Ah, j'aurais peut-être pu sortir par là en fait. Ok. Pourquoi c'est tout brumeux d'un seul coup comme ça? Ouais, pourquoi la musique comme ça d'un seul coup? Non, c'est bon, c'est une station de recharge. J'aurais dû recharger les flares d'abord en fait. J'ai déjà eu suffisamment de flares. Et on se barre. Putain, il m'a fait peur ce con de bidule. C'est juste un crabe. Il m'a fait peur ce con d'abruti de pieuvre, de bidule, de... Ta gueule. Oui, bah pour l'instant j'improvise total. Y a pas de procédure. Step by step. So with an all hands call, you head straight for Compass One. Try and reach surface from comms. Y a pas de procédure quand un démon se perd. Quand un Balrog se perd, il y a juste la panique. Pousse-toi. Pousse-toi. C'est quoi ça là-bas? Pourquoi ça fait de la... Oh, c'est un copain. Non, à chaque fois que je la vois, je panique. Panique. Pas panique. En fait, à chaque fois que je me tourne vers elle, je panique. Ok, d'accord. Faut pas que je regarde. Enfin, je dis elle, je sais pas si c'est une copine. Si c'est une copine, je sais pas du tout. Ah si, c'est une copine, qui est pas en forme d'ailleurs. Mais je sais pas en fait, il y avait marqué qu'on pouvait ramasser des... C'est méchant ça. Oh putain. Sale bête.